Bon, et bien salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va nickel aujourd'hui, les amis. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de la carrière avec Dunkerque. Hein. On continue épisode numéro 6, il me semble. Et on continue cette saison. En vrai, je pense que ça sera l'avant-dernier épisode de la saison. On est certes au mercato hivernal, mais en vrai, je me dis, il y a beaucoup de matchs qui sont pas super intéressants à vous montrer. En fait, les gros matchs, ils sont à partir de là, voilà, à partir de Toulouse. T'as Toulouse, Guingamp, Amiens et Nancy. Donc, on va peut-être finir la saison comme ça. Et en vrai, franchement, ces matchs-là, j'ai pas forcément envie de vous les montrer. Ça fera beaucoup de matchs que je vais devoir jouer en off. Ça fera 3 plus 3 plus 4, ça fera 10 matchs. Mais voilà, on va avancer. J'aimerais bien faire beaucoup plus. En fait, j'ai envie de faire beaucoup de saisons. Donc c'est pour ça que oui, j'ai pas trop envie de stagner en Ligue 2, faire 35 épisodes en Ligue 2 et au final se retrouver avec 10-15 épisodes en Ligue 1, c'est pas l'intérêt. Donc c'est pour ça que je décide de, eh bien voilà, de jouer des matchs en off. Ça sera plus simple, comme ça on pourra aller en Ligue 1 et on pourra s'amuser en Ligue 1. Ça va être le plus important. Depuis la dernière fois, en vrai, la dernière fois on avait joué à Amiens, on avait fait un très gros match face à Amiens. Et ensuite, on avait perdu face à Troyes en Coupe de France et on avait perdu face à Wavre en championnat. J'ai joué le Paris FC en off vu que c'était le 19e du championnat. Dans la vraie vie, c'est pas le cas, mais là, ils sont 19e. Et on avait gagné 4 à 2 grâce à un doublé d'Alan Souza, un but de Jean Hernandez et un autre but de Kevin Rocheteau. Donc voilà, là aujourd'hui, on va jouer Caen, on va jouer Ajaccio, on va jouer Auxerre qui sont pour 2 des 3 des concurrents directs à la montée. Et Ajaccio qui est quand même vraiment pas loin. Si on perd Ajaccio par exemple, il passe devant nous. Voilà, c'est un exemple. On est bien, on est dans le peloton de tête. Mais en vrai, c'est chaud. En vrai, ça va quand même être chaud. Amiens Auxerre, ils sont bien partis pour être promus. Mais en vrai, mon objectif, c'est pas de monter directement, mais voilà, si on peut faire une 6ème place ou un truc comme ça me va très bien. Mais là pour l'instant, en vrai, on n'est pas. Vraiment, là, je suis pas dans une optique d'aller chercher une montée directement. Ça sera quasi impossible. Donc, voilà, il faut être réaliste. L'équipe qui va jouer, bah, elle sera là. En vrai, elle est là, l'équipe qui va jouer. On va mettre Jugomis sur le banc. Peut-être qu'on va le faire rentrer en cours de jeu. Endri, il va peut-être jouer Chukwunte sur le banc, enfin ça, les réservistes. Hein. On va peut-être faire jouer Thiam un petit coup. Ouais, on va mettre Thiam, je pense, sur le banc. Enfin, on va mettre titulaire même. Et si, sur le banc. Donc voilà, on va jouer comme ça. On va être assez rapide. Il n'y a pas grand-chose à dire. Le mercato hivernal, eh bien, il n'y en a pas. Je vais être honnête avec vous, le mercato hivernal, il se passe rien parce que franchement, je galère à trouver des joueurs en fin de contrat. Donc, je préfère limite attendre la saison prochaine. Voir dans les agents libres ce qu'il y a d'intéressant et peut-être voilà prendre un ou deux joueurs des agents libres, mais voilà, j'ai pas forcément envie de. Alors franchement, ça me fait un peu chier en réalité d'aller chercher des joueurs. J'ai essayé de regarder en Belgique, j'ai cherché dans tous les clubs de Belgique, je trouvais pas de joueurs intéressants. Voilà, j'avais pas envie de galérer parce que en vrai, les fins de contrat dans ce jeu sont vraiment galères. En vrai, je trouve que c'est bien le système qu'ils ont fait, mais ils auraient dû rajouter une option pour voir les joueurs qui sont en fin de contrat parce que là on peut pas les voir et c'est vraiment dommage. C'est-à-dire que les joueurs coach, enfin, c'est difficile de recruter des joueurs en fin de contrat. Et ouais, franchement, ça c'est plutôt dommage. Moi, c'est vrai que ils auraient pu faire mieux sur le coup, je trouve. Ils auraient pu rajouter une petite option, voilà, pour les joueurs en fin de contrat. Et voilà les amis, on va regarder la composition. En vrai, je suis super rapide aujourd'hui. Hein. J'ai jamais été aussi rapide de ma vie pour commencer un match. Vraiment, je crois que là, il devrait être à 3-4 minutes. Pour certains, c'est tard. Pour moi, c'est très peu, 3-4 minutes. Allez, on va regarder le SM Caen. Il y a du Prats, Cour, Jeannot, Demingue, Gonsalves, Odiangue, Mbengue, Weber, Rivierez, Yago et Rémy Rioux dans les cages. Rémy Rioux, j'adore ce joueur. Les amis, on se trouve pour les meilleures actions de ce match. Ah non! Maraval qui touche le ballon, poteau rentrant, mais c'est moche.
C'est dégueulasse, bon sang. Non mais vraiment c'est. Enfin c'est. Ouais, c'est dégueulasse. Mais c'est tout le temps ces buts là qu'on prend franchement. Maraval, je trouve, il y a un petit défaut, c'est que son premier poteau, il le couvre vraiment. Il le couvre pas très bien. Voilà, si j'ai un petit défaut à donner à Maraval, hein, c'est celui-là. Mais ouais, en vrai je trouve qu'il y a un petit problème avec le premier popo. Le popo. Le premier popo. Non, le premier poteau. Il y a un problème avec le premier poteau, je trouve. Donc ouais, voilà, il y a un problème avec le premier poteau. Ouais, par contre là. Ok. Ok, vas-y, bah allez, vas-y, mais allez. Ah, et franchement, je vous sers un café, hein. Excusez-moi, mais. Là, vous vous foutez de la gueule de qui? Le mec, comment il a pu passer? Et comme je l'ai dit, Maraval a un problème avec son popo. Ah, il a un problème avec son premier popo. Le premier popo, il est toujours difficile à réaliser. Et bref, enfin, franchement, c'est foutage de gueule quoi. Sérieux, tu laisses Mbengue les pommes comme ça, frappe pied droit, frère. Tu veux quoi d'autre? Non, mais non, c'est bon, ça me saoule. Ça me saoule. Non, c'est honteux. Franchement, c'est honteux. 4 KO, 4 KO! Et Ryu, lui, par contre, il est présent. Hein, premier popo, il est là. Allez, 4 KO, dommage. Bon bah allez, allez, c'est Janou, 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 9e but en Ligue 2, Janou, mais non, sérieusement, on prend 3-0, il y a un problème là, il faut changer, là il faut tout changer, moi je vous le dis, le changement c'est maintenant. Non mais là par contre, ouais, je sais pas ce qui se passe, hein, c'est l'équipe titulaire, mais elle fait de la merde, hein, très clairement, là c'est du foutage, j'ai dit de pas faire d'insultes, ok, je ne dis plus d'insultes, c'est bon, c'est terminé. Si je dis une insulte, eh bien voilà. Oh là là, mais il est en train de nous violer. Il est en train de nous mettre la misère, Chris Pratt, sur son côté gauche là. Oh Marava, là en vrai, il aurait dû tirer directement. Je sais pas c'était qui, je crois c'était court, mais ouais, le mec a dû tirer directement et il y avait but, je pense. Heureusement, il a fait une petite passe. Allez, allez, Romil, ça passe, ça. Ça ne passe pas. Et Souza, oui, Souza, voilà, ça c'est bien, ça. Allez, Souza, oui, Souza, et ouais, la brute. Alan Souza pour son 10e but au championnat. Voilà. Oh ce but. Oh ce but. Plein de comptes favorables. Il est là, Alan Souza qui a joué de sa vitesse. J'ai passé deux joueurs assez bizarrement. Et de façon peu académique. Mais voilà, en tout cas, c'est bon, on s'en sort. Le 10e but de Alan Souza en Ligue 2. Ça fait plaisir. Alan Souza qui est vraiment fort ces derniers temps. Il y a hors-jeu. Quel dommage, il y a hors-jeu. Là, moi, ça pouvait peut-être relancer quelque chose, mais bon, tant pis. Pas mal. Pas mal. Allez, si, si. Oh, si, qui était monté aux avant-postes et qui a fait la frappe, Rémi Ryuki. Qui fait la bonne parade. Mais c'est dommage, en vrai. J'avoue que 3-2, bon, en vrai, ça change pas d'une défaite. Mais au niveau goal average, ça aurait pu être sympathique. D'aller inscrire un deuxième but. Très malheureusement, c'est la défaite. Une très mauvaise première période. Qui nous a mis voilà, dans le dur directement. Un Raval qui avait des problèmes au premier popo. Ouais, franchement, là, ouais, oui, on regarde les buts, mais voilà, c'est encore une fois hein, Maraval au premier poteau hein, qui a un peu des difficultés. Enfin, surtout ce premier poteau à droite du but. Là, c'est vraiment flagrant. Et voilà, deux fois d'affilée quoi, Maraval, il nous met dans le pétrin. Et voilà, c'est malheureusement la défaite pour nous. Ça nous fait pas nos affaires parce que Valenciennes gagne. Enfin, les concurrents directs, ils ont l'air de gagner, donc ça fait pas nos affaires. Et je pense qu'on doit être 7e ou 8e là. Hein.
8e, voilà exactement. On a pris très très cher. On passe de 4e à 8e en un seul match. Si on perd Ajaccio, eh bien c'est la catastrophe. Ok, on avance. On va avancer. En vrai, le mercato, il n'y a rien eu. Donc, il me semble. Ouais, non, il n'y a absolument rien eu. C'est pas un mercato de ouf qu'il y a eu. Par rapport à ce qu'on a fait avec. Par rapport à ce qu'on a fait avec la Fiorentina, même si c'est pas ouf non plus la Fiorentina. Enfin, en vrai, là, je suis en train de spoiler, je suis en train de spoiler le prochain épisode, là, très clairement. Bon, on va arrêter. Ok, j'arrête de dire, je dis rien. Voilà, j'ai absolument rien dit. On recrute tous les joueurs qui ont un potentiel au-dessus de 80. Enfin, voilà où c'est écrit 80. On recrute. On a beaucoup de joueurs. Ah, lui, on peut le reconvertir. D'accord. Ah, bah, y a pas bougé. Il y a absolument pas bougé. En vrai, il y a certains joueurs qui sont vraiment pas mal. Je crois que c'était lui qu'on vient de mettre dans l'équipe. Hein. Il est pas ouf, ouf, mais. Mais voilà, on sait jamais. Lui, je pense pas le prendre. C'est trop limite. Sinon, le joueur qu'on voulait prendre, c'était Si. On va regarder un peu ce qu'il vaut. Parce que là, il peut jouer attaquant droit et milieu de terrain. C'est assez bizarre. C'est pas du tout un dribbleur. Hein. Alors là, non, très clairement, c'est pas un dribbleur. En vrai, je vois pas trop ses qualités. Je vois, il y a pas trop de qualité lui. Hein. Ouais, il y a pas de qualité réelle. Hein. Si peut-être jouer buteur ou athée, mais sinon, je vois pas trop. Il y a une bonne vitesse, une frappe qui est correcte, mais sans plus. Un bon physique, ça peut être un buteur, je pense. Après, je le vois mal être ailleurs en fait, vraiment je le vois assez mal. En fait, je sais pas où est-ce qu'il peut aller, mais on va quand même le reconvertir buteur. Ça prendra 5 semaines. Allez, au match face à Ajaccio. Ah, ça va être dur là parce qu'on n'aura pas une équipe une. Enfin, soit on met l'équipe une face à Ajaccio et face à Auxerre, on va être dans le mal. Je pense qu'on va jouer en 5 défenseurs là, avec Si. Le milieu, la défense centrale, ça sera Kwagba, Gomis. On va jouer avec Gomis, je pense. Ou Pierre, en vrai, Pierre, il avait été très bon dans une défense à. Pierre, on va jouer comme ça, au pire. Vous savez quoi? On va jouer comme ça. On va jouer avec Brunel. Le milieu de terrain, on va le jouer avec El Hadjiba, qui est rouge. Rouge, est-ce qu'on voit, on va faire jouer rouge tout et l'attaque ça sera du Souza avec Hernandez. Voilà, on fait un peu reposer certains joueurs parce que oui, on en a besoin pour le prochain match. D'ailleurs, il y a peut-être Bosco qui va peut-être rentrer dans un des deux matchs, je sais pas encore, on verra ça tranquillement. Les amis, on va regarder directement la composition d'Ajaccio. Il faudra gagner ce match parce que sinon, là, on passe 10e et ça va être compliqué. Après, c'est un championnat très serré quand même, la Ligue 1, la Ligue 2. Donc, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup la Ligue 2 parce que c'est un championnat vraiment serré. Mais ouais, ça serait dommage de perdre quelques points comme ça. La composition d'Ajaccio, il y a du Courtin en attaque, Nouri au milieu offensif, Keita Barreto sur les ailes, Lassi, Courtador au milieu de terrain, Le Cush, Avinel, Diallo et Kalulu en défense, et le roi qui fait des vidéos avec Lévy dans les cages. Les amis, on se retrouve directement pour les meilleures actions de ce match. Je crois d'ailleurs que Vachou est titulaire. Enfin, je sais pas, il me semble. Bon, en vrai c'est bien. C'est bien, j'ai envie de le mettre un peu de titulaire en ce moment. Donc, lui a un peu moins de problèmes avec le premier poteau. Donc, voilà, les amis, on se trouve directement avec les meilleures actions de ce match face à Ajaccio. Il dégage. Joué Vachou, en 8 minutes, on a déjà fait 3 pertes de balles au milieu de terrain, j'ai envie de dire. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites. Et voilà, quatrième perte de balles, et c'est normal qu'on prend un but, j'ai envie de dire, chais. Voilà, bien fait pour nous, bien fait pour notre tronche. Mais non, franchement, là, c'est de l'abus, je sais pas, mais. C'est pas compliqué de dégager un ballon, s'il vous plaît. Ah, ça fait trois fois qu'on.
Non, je crois que c'est même la quatrième fois, qu'on perd un ballon. Là, c'est un but donné, j'ai envie de dire. Au bout d'un moment, ça va. Quand même, oh. Faut pas me prendre pour un hurlu-berlu quand même, hein. Oh, ça suffit. Ah oui, ça c'est lourd, ça c'est lourd. Mais deux fois d'affilée, non. Do you foot off my gueule? Allez, allez, celui-là, tu le mets, Souza. Eh non, ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et quand ça veut, eh bien, ça veut pas. Bref, ça va pas. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. Oh, quel dommage. En vrai, on mériterait d'en mettre un parce que ça fait pas mal d'actions qu'on a là. C'est. Non, en vrai, on mérite. Et ils ont eu une action opportuniste, vraiment. Pas mal du tout et. Bon. Ah, et. Ah, ouais, l'Adjiba, tu vas dégager à la mi-temps, toi. Oh, moi je dis ça comme ça, mais tu vas partir à la mi-temps, l'Adjiba. Eh, hein. L'Adjiba. Ah, bah là, tu m'as déjà fait quand même trois grosses pertes de balles très dangereuses. Je veux bien. Faut arrêter de me prendre pour un. Oh, heureusement, il y a une main. Ouh là là! Ah, il y a un petit problème au milieu de terrain. Il est assez éclaté le milieu de terrain aujourd'hui. Voilà. Oh là, Brunel, t'es tout seul. Oh là, Brunel. Oh, Brunel. La prunelle de mes yeux. La prunelle de mes yeux, Brunel. Oh oui. À la fin du match, on va boire des bières brunes. Bien sûr. C'est pas mal. Et oui. Et bien sûr, Brunel, 38 en tir, et il te lâche une belle petite mine là. C'est bien, c'est mérité juste avant la mi-temps en plus. Ça fait plaisir. Allez, Brunel, encore une fois, toujours le même, Brunel. Brunel, Brunel. Oh, cette fois le roi qui est présent. Quel dommage. Ah, Brunel, il est chaud, hein. Il est chaud cacao, chaud chocolat, hein. Allez Hernandez, allez Hernandez, 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 Hernandez. Ah il est bon, il est vraiment bon Hernandez. Là il se direct, il rentre. Franchement, il est très très bon le petit Hernandez. J'ai hâte de voir dans quelques saisons ce que ça va donner parce que franchement, il me régale. Deuxième but en Ligue 2. Troisième but, toute compétition confondue pour Hernandez en un mois seulement. Il est vraiment pas mal. Yes, parfait, la victoire qui est obtenue, ça fait plaisir. Franchement, là, on est content, on est très content. Victoire 2 à 1, ouais, franchement, ça fait du bien. On remérite parce qu'on a les buts, le but qu'on a pris, c'était vraiment sur une erreur de relance. Il y a eu beaucoup d'erreurs de relance dans ce match. Heureusement, on n'en a pris qu'un. En vrai, on a été mieux dans la construction du La construction n'était vraiment meilleure, donc voilà, ça c'est logique. J'avoue que moi, il y a Imad Farage qui m'intéresse. Parce qu'il est en fait on sera dans 5 mois, je peux pas le recruter pour le moment, mais en vrai, un Farage, ça peut être vraiment pas mal. Après, il y a Henry CV qui est en fait contrat. Aussi, lui, je pourrais le recruter, mais je sais pas, Henry CV, 66 de général, le mec, il va me demander un gros salaire. Ça m'embête un peu. Donc c'est pour ça que je pense pas le recruter, même si ça aurait pu être une très bonne idée. Eh bien, je ne vais pas le faire. Allez, on y va en avance pour le match face à l'AJ Auxerre. Auxerre qui est deuxième, je crois. Hein. Auxerre qui est vraiment très très bien. Ouais, deuxième, 47 points. C'est beaucoup. Et il faudra essayer d'aller gagner. Ce match va être compliqué, mais on y croit. Non, j'aime bien parce que le championnat est assez serré. Enfin, en tout cas, le haut de tableau est vraiment serré. Quand on voit que le 8-10e il y a 34 points, franchement, il suffit de 2 défaites et je passe 10e, c'est assez. Ou il suffit d'une victoire et je passe 3e, ça c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien cette idée, enfin j'aime bien ce championnat, comme j'ai déjà dit. C'est un championnat que j'apprécie beaucoup, voilà, la Ligue 2. Je sais pas vous, moi personnellement, voilà, je préfère regarder la Ligue 2 que la Bundesliga, je suis désolé, mais. En vrai, j'avoue que j'ai plus d'attache à la Ligue 2. Voilà. Je trouve ça plutôt passionnant quand même la Ligue 2.
De temps à autre, hein, bien sûr. Hein. À se bouffer des ligues de tous les. toutes les semaines, voilà, c'est pas mon but, mais. En vrai, c'est sympa quand même à regarder. Si c'est qu'il va rentrer, je pense, en cours de jeu, parce que Kerouche est assez fatigué. Hop, allez, on va jouer comme ça avec Si qui est aussi fatigué, hein, qui. Ahmed Thiam sur le banc. Quoique Bagoteni, on garde ça. Voilà, on va jouer comme ça. En vrai, Hernandez, il est pas ouf, un milieu de terrain. Après, voilà, il peut rentrer. Il peut dépanner à certains postes en vrai. Hein. Il est plutôt bon quand même, Hernandez. Il peut dépanner même si c'est un buteur. Il peut dépanner. Et un bon buteur même. Hein. Franchement, il me surprend. Me surprend de temps à autre. Voilà, je pense qu'en vrai on va partir comme ça. Ça va être assez difficile pour certains joueurs de tenir tout le match, mais on y croit. Je leur fais confiance. Allez les amis, on va regarder la composition de Auxerre. Auxerre, là j'ai Auxerre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du Fortuné, du Autré, Touré, de Begraoui, Belugu, Ndombe, Botoba, Lloris, Georgen et Michel dans les cages. Les amis, on va se retrouver avec les meilleures actions de ce match face à Auxerre. Voilà, c'est un match important pour Maraval. Parce que s'il me refait les mêmes erreurs qu'avant, et bien Maraval, franchement, ta place est peut-être mise en danger. Je sais bien que c'est pas le seul fautif, hein, mais. N'empêche, voilà, il nous a fait quand même. Ah oui. Allez, allez! Directement, 5ème minute, but de Dunkerque. Grâce à Ketkeo Fonfon, qu'on voit très peu ces derniers temps. C'est vrai que c'est un. Il a très bien commencé. Et c'est vrai qu'on l'a un peu moins vu au mois de janvier. Là, il remarque un but, 15ème but en Ligue 2. Voilà, il est toujours meilleur buteur du championnat. Donc ça fait plaisir. C'est vrai qu'on a plus vu Souza ces derniers temps que. Ketkeo Fonfon, Ketkeo Fonfon, ça dure à dire en vrai, hein. Ketkeo Fonfon, Ketkeo Fonfon, Ketkeo Fonfon, Ketkeo Fonfon. Oh là, je suis fort, incroyable. El Hadjiba, tu commences à me. On avait dit pas d'insultes, mais en vrai, t'en mériterais. Là, c'est mérité, voilà, mérité, merci qui? Merci El Hadjiba qui a donné deux buts sur deux matchs, voilà, les deux derniers buts qu'on a pris c'est à cause de El Hadjiba qui a un niveau de relance assez mauvais. Voilà, deux fois tu nous fais la dinguerie là, El Hadjiba, c'est pas possible, putain. Il faudra t'apprendre à faire une passe, vraiment, apprends à faire une passe quoi. Comment il a pu se retrouver comme ça? Genre vraiment. Comment il a pu se retrouver comme ça? Non, j'ai envie de revoir l'action parce que là je ne comprends pas. Je ne comprends pas le placement défensif qui est vraiment exécrable. Je sais pas si. J'ai l'impression que ça vient de Dudouis. Qui est vraiment. Ouais. Voilà, c'est. Voilà, c'est désolant. Là, c'est désolant, vraiment. Vous moquez de qui là? Pensez aux supporters qui ont acheté des billets pour vous voir. Franchement, pensez aux supporters qui ont loué des bus pour vous voir. Regardez ça! Vous vous foutez la gueule de qui? C'est incroyable, ça me. Oh là 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 là. Ça suffit, je ne veux plus voir ça sur le terrain. Là, là c'est une catastrophe. Et regardez ça, encore une fois une erreur. Encore une. Encore une. Oh. Ça commence à me courir sur le haricot. Alors le bois, regardez si qu'est-ce qu'il fait là. Il se croit où? C'est en train de s'amuser avec nous là. Il est en train de s'amuser avec nous. Oh non. Sérieux. Sérieusement. Sérieux. Seriously. Et voilà, comment se prendre un but? Comment se prendre un but? Comment offrir un but, très clairement? Comment offrir un but? Ou pas? Ah oui, heureusement ils ont joué à deux. Ah. Oh.
c'est un peu pas très bien joué. Eh oui. Ah oui, Budo! Budo qui prend la vitesse! C'est la première fois de sa vie qu'il fait ça! Et sans doute la dernière! Allez, Dimitri Budo! Dimitri Budo! Le poteau! Le poteau de Budo! Ce n'est pas possible! Non! Ah non! Je suis dégoûté. Quoique bah. Allez, c'est pas fini, c'est peut-être pas fini. C'est fini. Ok, bon bah les amis, défaite quoi, encore une fois. Encore une fois la petite défaite hein, qui nous embête un peu, qui nous enquiquine. On perd des points, bah après bon franchement, comme je disais, hein, le top 5 c'est pas l'objectif, hein, on n'est pas encore au niveau pour aller chercher un top 5. Mais quand même, dommage, c'est dommage franchement, on a eu des actions sur la fin qui auraient pu mériter un but. On était vraiment à pas grand chose des fois de marquer un but, on a fait un poteau, voilà, ça c'est dommage. Ça c'est décevant. On va s'y mettre jusqu'au 8, comme ça on va avoir le rapport de... On va avoir le rapport pour les jeunes joueurs. Voilà, rapport mensuel. Nous sommes en retard. Mettre en avant notre marque. D'accord. Ok, bon, on a rien de ouf. On a lui, mais même lui en vrai, il est pas incroyable. Comme c'est un offensif, ça va être dur d'augmenter sa note. Donc voilà, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Prochain épisode, on va se retrouver assez loin. Je pense que ça sera fin de saison, comme ça, on sera recommencé à la saison 2 assez bien. Enfin, dans 2 épisodes, en vrai, saison 2 quand même, c'est. J'ai hâte, voilà, j'ai assez hâte quand même. Lui, il monte à 52 général, voilà, c'est bien. Donc voilà, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était Yabei, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, bon, je vous dis à la prochaine. C'était Yabei, ciao, ciao.